Elusa, Elusa mère. Il y a juste 5 mois, vous n'étiez qu'une poignée. Mais regardez combien vous êtes. Beaucoup. Cela veut dire, avec les nouveaux supports comme le Facebook, d'autres membres ont fait leur inscription. Et je suis sûr, parmi tous ces invités, d'autres membres viendront adhérer.
Pour cela, nous allons leur faire un tonnerre d'applaudissements. Et le tout premier bureau de l'association Banabraza. Il est composé de 6 membres. Voici la composition. Présidente, Arlette Lukaku. Secrétaire général adjoint, Romial Aïna. Il y a deux trésoriers. Première trésorière, Bertine Gassion Galibaka. Deuxième trésorier, Syriac Bassoka. Chargé de communication, William Siana. Bien, nous vous souhaitons bonne chance et tous nos voeux de réussite pour ce premier mandat. Bien, mais il y a une dame qui n'a pas pu fêter son anniversaire hier. Elle était prise par les courses de l'association. Elle est aussi membre du bureau. C'est la première trésorière, Bertine Gassion Galibaka. Donc, je vous demande de vous lever. Et vous tous avec moi, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Bertine, joyeux anniversaire. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc je vais demander aux autres membres du bureau de regagner vos places, sauf la présidente qui va rester pour son speech de circonstance. Merci. Comme vous voulez. Mesdames, messieurs, chers amis et invités, nous tenons à vous remercier pour avoir toutes et tous répondu à la sortie officielle de notre association Banabraza en sigle ABB. Il nous est utile et nécessaire de vous tracer d'une manière très brève la genèse de notre association avant de vous présenter son organisation et son essence. En effet, nous sommes partis comme credo les retrouvailles de tous les anciens de Brazzaville, des différents quartiers, de manière à retisser des liens rompus depuis une bonne trentaine d'années, pour être plus précis, après le collège et le lycée. Les uns étant partis à l'étranger pour suivre leurs études et les autres restés au pays pour les mêmes raisons. Cela nous aura permis de prendre des nouvelles des autres amis non présents et de rendre un hommage à nos congénères disparus par une minute de silence. Ce regroupement a été rendu possible grâce aux réseaux sociaux et particulièrement Facebook. Ainsi, le 2 juillet 2011, une première rencontre festive a permis à votre humble serviteur de présenter son idée. Le 24 du même mois,
Une deuxième rencontre de travail nous a permis de concrétiser le projet de l'association. Cette rencontre avait pour ordre du jour la rédaction des statuts et son règlement d'ordre intérieur, les démarches à la préfecture, l'organisation structurelle et l'installation du bureau de l'association. La conjoncture économique actuelle, les conditions de notre présence et existence à l'étranger nous imposent d'être solidaires. L'objectif à notre union pivote sur l'entraide et la solidarité entre les membres. Ainsi, nos actions tournent autour de trois axes directeurs. Favoriser la communication et le maintien du lien entre les membres et de capitaliser ce dernier au service du renforcement de la fraternité. Mettre en place et activer la réalisation de projets d'entraide et de développement du capital humain, à savoir l'éducation, du social, la santé, l'économie et du culturel. Promouvoir et soutenir en France et à l'étranger, plus particulièrement en Afrique, toute initiative tendant à favoriser l'implication de ses adhérents en vue d'améliorer le bien-être social et économique des populations démunies. Chers membres, mesdames et messieurs, notre association prône le principe de transparence pour renforcer la cohésion entre ses membres. Pour respecter ce principe, nous mettons à la disposition de tous les membres le statut et le règlement intérieur expliquant son fonctionnement, les devoirs et les droits de chaque membre adhérent à ce dernier. Chers invités, membres tous confondus, comme chacun de nous est autorisé de rêver, notre souhait, notre vision et surtout notre foi nous autorise à placer notre confiance en Dieu et dans votre participation active au progrès social des populations démunies. Nous vous remercions et excellente soirée.